L'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afroweb.tv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. What are you looking for to cook African and delicious food? Go ahead and check them out at African and Oriental Market. In all stores of African and Oriental Market, you will find all your needs on Afro products. Avez-vous besoin des ustensiles de cuisine, de tout genre de condiments pour faire vos plats délicieux et même de vos produits cosmétiques? Retrouvez-les à bon prix à African and Oriental Market. African and Oriental Market à Iowa City et à Cedar Rapids. African and Oriental Market open Monday to Saturday 9 a.m. to 8 p.m. Sunday 11 a.m. to 8 p.m. African and Oriental Market located at Iowa City, 959 Highway 6 East Iowa City, and at Cedar Rapids, 2000 Wild Boulevard, Southwest Cedar Rapids, Iowa. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11h et chaque samedi à partir de 11h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur AfroWeb TV. AfroWeb TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur AfroWeb TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. AfroWeb TV, disponible sur YouTube et sur www.afrowebtv.com. AfroWeb TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. AfroWeb TV présente Every Sunday Sharing Success Show, présenté par Mr. Roger Achu. Let God mean piece of advice and knowledge from the wise man. Roger Achu will be on air every Sunday, 2 p.m. Central Time, to share with you the secret to have success and to reach many type of your goals. Follow your show Sharing Success with Mr. Roger Achu. Show available on YouTube, AfroWeb TV and www.afrowebtv.com. Hello and welcome. Salut et bienvenue. Welcome to the one and only show Sharing Success on AfroWeb TV. Here's the beginning of a show that we talk about a prosperous life and everything related to it. My name is Roger Achu and I will be your presenter in this series of talk. The first part of each episode is going to be in English and the second part is going to be in French. Welcome to the first episode. In this first episode, titled The Beginning, we will lay the groundwork of this show, Sharing Success. And we will share with you a few ideas that might make a difference in someone's life. And our hope here at AfroWeb TV is that many people will become prosperous by implementing these ideas. What is a prosperous life, you might ask? When we talk about living a prosperous life, the first thing that most of us think about is money and material possession. This is true to some extent, but money is not the whole picture. When we are talking about a prosperous life, and we know that when money comes in abundance, it is a result of a life filled with good discipline, but also with happy relationships. Therefore,
A prosperous life is one that has all the components of a good life, i.e. money, good health, and good relationship. How will it be possible then? It will definitely be possible because today we have enough information and testimonials from here and there to know that it is possible to plan, to design, and to live a prosperous life. It is only when you discipline yourself to do what you are supposed to do that your life becomes prosperous. In this show, Sharing Success, we will learn how to design and follow the discipline needed to become successful and live a prosperous life. We will use a model. We will take example from avatars, people who have been successful. And definitely, we will start with the United States, what we see in the United States. The United States is a country that has the most millionaires, with 18.6 million millionaires, followed by China, Japan, United Kingdom, Germany, and France, according to Statista.com in their article published in November 2020. For this reason, our series of talks is going to be based on the reality in the United States. That way we will learn from the best, the people that are on top. Who are we talking about then? According to spendmenot.com, 20% of Americans inherit the riches, but 80% of them are self-made. This means that 20% are millionaires because of someone in their life who gave them the money or who made the fortune before them. But 80% of them started from nothing. Some of them started in poverty and became millionaires. Those are the people, those are the 80% that we are going to talk about. Those 80% are the ones that are going to be the one we base our show on. We are going to talk about those American millionaires who started from nothing and became successful financially as well as in life in general. Just as if you want to know how to drive, you invite someone who knows how to drive to sit in the passenger seat to guide you on what to do until you fully learn how to drive the same way they know how to drive. The same way, we are going to invite these 80% of Americans to guide us through their advices and the way they operate in this series of talks, so we can do good and become millionaires as well. There are so many stories of such millionaires who started from the bottom. One such is Steve Harvey, who was homeless for 3 years, living out in his 1976 Ford Temple, using an igloo cooler in the backseat as a makeshift refrigerator and washing up in hotel's bathroom, gas station, or swimming pool showers, according to People.com. Today, Steve Harvey has a net worth that stands as an estimated $200 million in 2020, as reported by Celebrity Net Worth. Furthermore, it is easy today to become richer than it has ever been. Knowledge is our fingertip, and you agree with me that you can download and learn online all that is required to succeed from devices today. You just have to type in on your cell phone, on a computer, everywhere, and you will have the information right in front of you. It is so easy now to become prosperous, to become rich, to have a prosperous life, because you could learn from many sources. You could learn from plenty of people who have
being successful to become yourself successful. The first step of becoming successful is to make it a personal decision. You have to decide that you want to be successful, or you have to decide that you want to be prosperous. After that decision comes the design, then the ability to do what it takes to succeed. So it is clear, you design it, and then you apply it. And we will go through all those steps slowly, and we will get there. So everybody can be impregnant or can know exactly what you do to get there. In this show, we will talk about all these steps of the journey to a prosperous life. But before we start on the first step on the road to success, there's a few things that we have to find out, or that we have to start thinking about before we jump right to it. The first one is gratitude. We have to be thankful, we have to be grateful for what we have in our lives, all of us. Things that people say, I thank God for this. Yeah, we have to be grateful because we are alive. We have to be thankful for that. Thankfulness set up the basis of everything. Once you're thankful, you are very thankful for what you have. That's like a foundation. That will give you the foundation necessary that you need to build upon. Thankfulness bring about everything. It opens all the doors to receive more in order to be prosperous and in order to live a good life. Second, you have to be willing to learn, because no matter how good or successful you are doing now, you should have an open mind to be able to learn new ideas so you can do even better. Say you want to open the door that has four keys. Maybe where you are right now, you have three keys to open that door that will make you a prosperous person. Maybe you have three keys and you are waiting for the fourth key to be willing to open that door. And we will do everything to cover everything so you can get that last key that will enable you to open that door. We will go through all there is, all that you need to know. We will do this in such a way that we will not be too long in each episode, so each episode can be short enough and long enough for everyone to get what we are talking about, step by step, one episode at a time. So we almost at the end of this episode. Right after this, we come the French part of it. And right now, I will say, see you next time on the next episode for another English one. You are here on AfroWeb TV on the show Sharing Success. My name is Roger Achu, and thank you. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur AfroWeb TV. AfroWeb TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afroWebTV.com. Sur AfroWeb TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. AfroWeb TV, disponible sur YouTube et sur www.afroWebTV.com. AfroWeb TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. What are you looking for to cook African and delicious food? Go ahead and check them out at African and Oriental Market. In all stores of African and Oriental Market, you will find all your need on Afro products. Avez-vous besoin des ustensiles de cuisine, de tout genre de condiments pour faire vos plats délicieux et même de vos produits cosmétiques? Retrouvez-les à bon prix à African and Oriental Market. African and Oriental Market à Iowa City et à Cedar Rapids.
African and Oriental Market open Monday to Saturday, 9 a.m. to 8 p.m. Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. African and Oriental Market located at Iowa City, 959 Highway 6 East Iowa City, and at Cedar Rapids, 2000 Wild Boulevard, Southwest Cedar Rapids, Iowa. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afroweb.tv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroWeb TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 119 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroWeb TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 119 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. AfroWeb TV présente every Sunday Sharing Sasse Show, présenté by Mr. Roger Achu. Let's get mean piece of advice and knowledge from the wise man. Roger Achu will be on air every Sunday, 2 p.m. Central Time, to share with you the secret to have success and to reach many type of your goals. Follow your show Sharing Success with Mr. Roger Achu. Show available on YouTube, AfroWeb TV and www.afrowebtv.com. Hello, bienvenue dans la seule et unique émission Sharing Success sur AfroWeb TV. Voici le début d'une émission qui parlera d'une vie prospère et de tout ce qui se rapporte. Je m'appelle Roger Achu et je serai votre présentateur dans cette série de causeries. La première partie de chaque épisode sera en anglais et la deuxième partie sera en anglais. Bienvenue dans la partie française. Je voudrais dire la seconde partie. Dans ce premier épisode, nous parlerons du pourquoi cette émission et comment en tirer le meilleur parti. Nous poserons également des bases de ce show Sharing Success. Nous partagerons avec vous quelques idées qui pourraient faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et notre espoir ici à AfroWeb TV est que de nombreuses personnes deviendront prospères en mettant en pratique ces idées. Qu'est-ce donc une vie prospère? Vous pouvez me poser la question. Lorsque nous parlons de vie prospère, la première chose à laquelle la plupart d'entre nous pensent est l'argent et des possessions matérielles. C'est vrai dans une certaine mesure, mais l'argent n'est vraiment pas tout quand on parle de vie prospère. C'est le résultat, bien sûr, d'une vie remplie de bonnes disciplines, mais aussi de relations, bien sûr, heureuses. Par conséquent, une vie prospère est celle qui a toutes les composantes d'une bonne vie, à savoir l'argent, une bonne santé et de bonnes relations. Donc, comme vous pouvez le constater avec moi, une vie prospère n'est pas seulement une vie remplie d'argent. Vous pouvez être riche et puis misérable. Donc, comment sera-t-il possible? Ce sera bien sûr possible parce qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment d'informations et de témoignages pour savoir qu'il est possible de planifier, de concevoir et de vivre une vie prospère. Ce n'est que lorsque vous vous disciplinez pour faire ce que vous êtes censé faire que vous devenez prospère ou bien que vous aurez cette vie prospère. Dans cette émission, Chéri Success, nous apprendrons à concevoir et à suivre toutes les disciplines nécessaires pour réussir et vivre une vie prospère.
Pour ce faire, nous allons prendre l'exemple d'un pays. Un pays qui rassemble plus de millionnaires que les autres. Je veux bien sûr, comme vous l'aurez deviné, parler des États-Unis. Nous allons nous baser sur des exemples des États-Unis qui comptent plus de millionnaires avec 18,6 millions de millionnaires suivis par la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, selon l'article de Statista.com publié en novembre 2020. Pour cette raison, notre série va être basée sur les réalités que nous trouvons en Amérique. Puisque le but est d'avoir tout. D'avoir l'argent et puis d'avoir les autres composants, comme nous venons de le dire. De qui parle-t-on? Selon Spain Minant, 20% des millionnaires américains héritent la richesse, mais 80% d'entre eux sont autodidactes. Cela signifie que 20% des millionnaires américains ont reçu ces millions-là de leurs parents ou de leurs proches. Mais les 80% l'ont fait d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé plusieurs. Ils ont commencé de rien. Plusieurs même sont commencés en pauvreté pour devenir millionnaires. Donc dans ce show-là, dans ce show Cher Success, nous allons parler des 80%. Nous allons parler de ces millionnaires américains qui sont partis de rien et qui ont réussi financièrement ainsi que dans la vie en général. Tout comme si vous voulez savoir comment conduire, vous invitez quelqu'un qui sait conduire à s'asseoir sur le siège passager pour vous guider sur ce qu'il faut faire jusqu'à ce que vous appreniez à conduire correctement de la même manière que cette personne-là assise à côté de vous. C'est de cette même manière que nous allons inviter les 80% des millionnaires américains qui ont commencé de rien, qui ont commencé même dans la pauvreté, pour nous guider avec leurs conseils et leur manière de faire jusqu'à ce que nous puissions aussi devenir millionnaires et nous puissions aussi réussir dans notre vie. Il y a tellement d'histoires de ces millionnaires-là qui ont commencé par le bas, bien sûr. L'un d'entre eux est Steve Harvey, qui n'est plus à présenter. Il a été sans abri pendant 3 ans, vivant dans sa Ford Tempo de 1976, utilisant une glacière igloo sur la banquette arrière comme réfrigérateur de fortune et faisant la vaisselle dans les salles de bain, des hôtels, des stations-service ou des douches de piscine. Selon personne.com, aujourd'hui, Steve Harvey a une valeur estimée à 200 millions de dollars en 2020, comme l'a rapporté Celebrity.net. Comme vous le voyez, nous avons beaucoup d'exemples. Cet exemple que je viens de vous donner nous montre que ce monsieur-là n'avait pas un chez. Il dormait dans sa voiture, Steve Harvey. Mais aujourd'hui, il est millionnaire. Il est bien marié, il est très heureux. Donc, nous allons prendre beaucoup de conseils de ces gens-là qui ont commencé de rien et qui sont maintenant arrivés, qui sont maintenant bien prospères. De plus, il est plus facile aujourd'hui de devenir riche qu'il ne l'a jamais été. La connaissance est à la portée de la main. Et vous êtes tous d'accord avec moi que aujourd'hui, vous pouvez télécharger et apprendre en ligne tout ce qui est nécessaire ou bien tout ce qui vous suffit pour arriver. Vous cherchez n'importe quelle réponse sur votre cellphone, sur votre ordinateur. Vous pouvez juste taper et trouver la réponse. Donc, vous allez
accepter ou bien vous allez être d'accord avec moi que devenir riche aujourd'hui est très facile. Donc seulement il faut savoir comment le faire. C'est ce que nous allons partager dans cette émission Sharing Success sur Afro Web TV. La première étape, bien sûr, pour avoir une vie prospère ou bien pour réussir est la décision. Il faut décider que voici aujourd'hui, je veux devenir ceci, je veux devenir cela. Et prends cette décision-là et commencer à faire quelque chose. Après la décision vient la conception. Après avoir décidé, il faut concevoir, vous connaissant vous-même, concevoir ce que vous voulez devenir. Et la troisième, c'est d'appliquer ce que vous avez appris. Dans cette émission, nous parlerons de toutes ces étapes sur la voie de la prospérité. Mais avant de commencer le premier pas sur la voie du succès, il y a quelque chose que nous devons découvrir avant de partir sur un bon pied. La première des choses est la gratitude. Nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons, remercier Dieu pour tout ce que nous avons présentement, que ce soit bien ou pas assez, ou bien pauvre, il faut être reconnaissant. La reconnaissance donne la fondation de notre réussite. Il faut être reconnaissant et être content avec ce que nous avons, avant même de commencer à aller sur cette vie prospère. La deuxième, c'est d'être prêt à apprendre tout ce que nous aurons à vous présenter ici. Ou bien, lorsque vous aurez fait votre résolution, lorsque vous aurez fait ce que vous voulez, votre plan, il faudra aller et exécuter. Parce que c'est le résultat qui compte. Donc, ce sont ces deux-là qu'il faut, en fait, pour vraiment commencer sur de bons pas. Vous devez être prêt aussi à écouter pour faire des choses en écoutant, enfin que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette série. Je pense et je crois que nous faisons tous du bien et nous avons pour nous aider à traverser cette série. Je crois que vous serez bien assis lorsque nous allons commencer par décider, par apprendre comment décider, par apprendre comment implémenter ces idées. Merci. Nous sommes presque à la fin de cette première épisode. Mon nom est Roger Atchou. Le show, bien sûr, c'est Sharing Success. Donc, je vous vois. On se rencontre au deuxième épisode pour commencer le show proprement dit. Merci. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur AfroWeb TV. AfroWeb TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afroweb.tv.com. Sur AfroWeb TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. AfroWeb TV, disponible sur YouTube et sur www.afroweb.tv.com. AfroWeb TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. What are you looking for to cook African and delicious food? Go ahead and check them out at African and Oriental Market. In all stores of African and Oriental Market, you will find all your need on Afro products. Avez-vous besoin des ustensiles de cuisine, de tout genre de condiments pour faire vos plats délicieux et même de vos produits cosmétiques? Retrouvez-les à bon prix à African and Oriental Market. African and Oriental Market à Iowa City et à Cedar Rapids. African and Oriental Market open Monday to Saturday 9 a.m. to 8 p.m. Sunday 11 a.m. to 8 p.m. African and Oriental Market located at Iowa City, 959 Highway 6 East Iowa City, and at Cedar Rapids, 2000 Wilder Boulevard, Southwest Cedar Rapids, Iowa. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours.
Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. L'émission N'en parle, animée par Karim Adama. Sur AfroWeb TV, chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. Retrouvez les serviteurs et servantes de Dieu pour répondre aux interrogations de l'équipe d'AfroWeb TV par le biais de Karim Adama et des téléspectateurs chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur AfroWeb TV, chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, disponible sur la chaîne AfroWeb TV et sur www.afroweb TV. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur